En espérant que ça marche, que si... Préparer un bon ragoût. Encore une fois, parce que je pense que c'est pas encore bon. Non, c'est pas bon. On va surveiller sa barre, elle, pour pas que ça parte en cacahuète. Voilà. Ah, elle a arrêté le livre. Reprends, recommence. Bah, ce livre, tu l'auras lu 250 fois. Je te souviens pas pour le 10 septembre. Si, c'est ton anniversaire. C'est ça. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est la musique des pirates. D'accord. Non, je sais pas ce que c'est. Lis un livre à ta fille. Et la barre, elle en est où? 53%. Allez hop. Elle est très en colère. Ah, toi, je sais pas. Ah, je vous croyais vraiment que je vais retenir tous vos anniversaires. Je suis désolée de vous décevoir, mais ça va pas être possible. Hein. Ça va pas être possible. D'un autre côté, vous connaissez pas le mien non plus. Hein. Donc... Allez, on y est presque. Bon. Tu vas faire pipi. Et tu vas aller lui lire un livre pour l'endormir. Ça finira de monter sa barre. Toi. Tu vas repréparer un repas gastronomique. Prendre une douche méditative. Oh là là. Oui, c'est ça. Et après, tu iras travailler. C'est ça. Et on sera bien. Ah, ça y est. Mais pourquoi tu peux pas aller dans la chambre de ta fille? Ça m'énerve. Ici, toi aussi, elle est ici. J'aimerais trop qu'il nous pende un vrai Tomb Raider, l'une des quatre premiers carrément. Un remaster du 2 et 3, je serai aux anges. Ah, toi, je sais, Missing. Et je sais parce qu'on va aller le fêter ensemble. Non, je crois pas que tu m'avais dit, Alexandre. Ça y est arrivé. Dépêche-toi parce que dans 5 minutes, ta mère, elle va accoucher. Lire une histoire. Ça y est, elle me saoule. Bon, c'est pas grave. Allez, tu relis. Bon, on lit toute seule parce que ta mère... C'est un... Le mien est dans moins d'une semaine. Mais vous êtes tous nés fin août, début septembre, quoi. C'est... Vous êtes tous des gosses du jour de l'an, quoi. C'est... C'est... Vous êtes tous... On peut voir sa culotte. Non, on verra pas sa culotte. Non, mi-avril. Ah bah voilà. Moi, janvier. Non, parce que là, j'étais en train de me dire que vos parents, ils... Ah, ça y est, il est en train d'accoucher. Allez, c'est parti. Oh, quelle surprise. Est-ce qu'on va avoir une fille? Je me demande bien. Après, prématuré de 1 mois, donc techniquement, j'aurais dû être de mai. Ah, c'est dommage, t'es passé à ça de la perfection. Parce que mai... Non, mais j'ai pas dit encore, alors vous excitez pas. Tant que j'ai pas dit, je prends rien en compte. C'est moi qui décide. Donc je disais, Estelle, tu es passée à ça de la perfection, parce que le mois de mai, c'est quand même le mois le plus merveilleux de l'année pour naître. Maintenant que j'ai dit ça, à vos claviers, je veux un prénom. Attention. J'attends. Et c'est l'arbre en boule qui a gagné, puisque c'est Inès. Désolée pour les autres, c'est Inès qui gagne.
Nous avons donc Agathe et Inès. Qui c'est qui avait donné Agathe d'ailleurs? J'ai pas d'idée moi. T'as déjà tout donné tout à l'heure, c'est ça? Au niveau des idées, t'as tout distribué. Je me souviens plus qui c'est qui avait donné Agathe. Mais d'où t'avais pas fini ta phrase qu'elle l'avait dit? Si, j'avais fini ma phrase. Si c'est peut-être toi, Estelle, je sais plus. Et voilà Inès. Voilà, celle qui va nous empêcher de dormir toutes les nuits. Magnifique. Bah, tu peux lui nourrir. Bélier. Donc, nous sommes samedi 20h. Dimanche, lundi, mardi 20h, faut la faire vieillir. Ok. Il s'en est. Non mais c'est bon, c'est trop tard. Je suis déçue, c'est pas des triplés. Bon, ça, on le savait déjà. Oh, à peine sortie, qu'elle chiale dedans. Elle peut pas y retourner. Non, ça marche pas. Du coup, bonne nuit. Bonne nuit, Alexandre. Merci d'être resté jusque-là. Voilà, vous êtes horrible. C'est un bébé, il faut bien que ça s'exprime, un bébé. Ah, il est parti travailler, travailler dur. Bon, dépêche-toi de dormir, toi, parce que j'aimerais bien qu'on valide tes deux derniers traits là. Comme ça, on en profite. Toi, t'as du ménage à faire, hein, je pense. Vendre. Je t'ai nettoyé. Voilà. Sandek. Je vais juste 2 minutes sur. Ben, vas-y. Je croyais que tu disais bonne nuit. Je savais pas, moi je voulais pas savoir. Ah, tu voulais pas savoir, tu savais pas. Bon, bah écoute. Bah oui, mais la majorité voulait savoir. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça peut s'exprimer dans une pièce fermée, capitonnée. Au pire, on enferme Dina avec pour faire moins horrible. Oh, vous êtes vache. Eh bah écoute, Alex, bon live et puis bonne nuit après. Je disais bonne nuit pour déconner. Ah, pardon. Bon, bah écoute, je ne sais pas. Du coup, je suis perdue. Je ne sais pas ce que tu fais. Tu t'en vas, tu restes, tu reviens, tu. Je ne sais pas. Dis-nous. Exprime-toi. Je suis perdue, moi. Je n'y arrive pas. À toute. Ok. Ah, bah, à plus alors. N'importe quoi. Là, il y a les deux enfants, c'est quoi l'excuse pour pas la tuer? Je sais pas, l'humanité, enfin, le fait que je ne suis pas une psychopathe tueuse de Sims. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien, oui, c'est ça. Dina, lève-toi, le bébé pleure. Et ça va durer jusqu'à. J'ai dit mardi, jusqu'à mardi. Changer la couche sale. Prendre des restes. C'est pas 3 qui. Mais j'ai pas trouvé le chiffre pour faire le nombre d'enfants. J'ai juste vu qu'il leur fallait 2 chambres. Enfin, 3 chambres, mais. Ils disent pas le nombre d'enfants. Du coup, moi j'ai décidé 2, mais. J'ai peut-être mal lu les règles, hein, ceci dit. Hein. 6, c'est bien 6 alors. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va se détendre. Utiliser, dormir. On peut n'avoir qu'un seul enfant. Oui, c'est ça. Voilà, il faut au moins en faire un. Bon, bah, c'est ça, c'est pour ça. Il me semblait bien qu'il n'y avait pas de chiffre donné. Donc, comme il fallait 3 chambres, je suis partie du principe qu'il fallait 2 enfants. Et puis voilà. Vas-y, c'est bon, t'as assez dormi. Allez sur le pot. Je crois qu'on va laisser un plat dehors, puisque de toute façon, il périme jamais. Comme ça, elle pourra manger. Chaque fois qu'elle voudra, sans que j'ai besoin d'ouvrir le frigo à chaque fois. Bon, j'aimerais bien qu'elle grandisse avant la fin.
Quand est-ce qu'ils font un add-on Sims gore? Non, interdit ça. C'est faut que ça reste Peggy 12, cette histoire. C'est s'il y a des mods un peu chelous comme ça qui existent, mais venant de la version officielle des Sims, t'auras jamais un truc comme ça. C'est Peggy 12, les Sims. Puisque tu pètes la forme, tu vas t'occuper de ta fille dès qu'elle aura fini de manger. Oh, ça y est. Elle n'est pas là pour lui. C'est bon, le bébé est déjà là. Il est sérieux. Il est en panique alors qu'elle a déjà accouché. Tout est normal. Tout est sous contrôle. Allez, tu manges et ta mère va finir de te lire une histoire. Bah, il y a une prison, hein. Tu peux créer une prison avec la donne au travail. Tu achètes une machette et plante-la dans le... Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez, mange. Peggy 12, mon neveu a voulu jouer avec moi. Il est heureux, oui, je me doute. Allez, lire pour le bambin. On va surveiller sa barre parce que je voudrais pas que ça bug et que ça reparte à zéro. On est à 71%. Allez, go. Allez. Le thermostat fonctionne pour toute la maison ou c'est un par pièce? Pour moi, je dirais toute la maison. Mais je peux me tromper. Allez, demande-lui de te lire un livre. Allez. Oui! Est-ce que tu peux lui apprendre à marcher? Plus de choix, ça va donner au bambin. Amical. Non, par contre, tu peux jouer avec, je crois, et ça fait monter sa compétence. Jouer, ça fait monter sa compétence mouvement. Un par pièce, j'imagine pas les factures, déjà qu'elles sont énormes, c'est clair. Non, je veux pas que tu partes, mais en fait. Ah oui, c'est vrai qu'on a un bug chelou. Mais en fait, tes messages, c'est toujours sur on va tuer Dina de telle ou telle façon. Donc j'ai dit que je la tuerais pas, donc tu peux m'en décrire 200 000, ce sera toujours non, quoi. Je crois que le bébé a faim. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il est dans une pièce au fond, on l'entend pas. Ouais, nickel. Bon. Elle va aux toilettes et après elle va aller nourrir. Nourrir, allaiter, changer la couche sale. Babiller, bercer, doliner, parler. Toi, tu vas aller apprendre les mouvements parce que c'est tout ce qui manque pour pouvoir grandir. Vous savez comment fonctionnent les FC à Twitch gratuits à Twitch Prime? Non, moi j'ai Prime avec Amazon, mais oui, elle a un bug, l'animation a un bug. Et une chambre froide comme dans le manoir de Lara Croft, genre Winston. Pardon les gamins. Non, non, faut arrêter, je tuerai pas les gamins non plus. Alors ce petit bébé avec quoi comme prénom? Inès. Et pas arbalète, machin et tout ça. Et on est à très exactement 78% de faire grandir Agathe. La mort, c'est leur destin. Ouais, mais... Voilà. Ouais, nickel, merci, félicitations, dans 12 heures. Hop, là, tu vas aller préparer à manger. Hop, enlever la nourriture gâtée, préparer un repas gastronomique. Hop. Ah, t'es pas fatiguée, la fatigue c'est dans la tête, finis-moi.
cette compétence. Tiens, d'ailleurs, on va demander à tes parents de jouer avec toi. Je pense que ça montera plus vite. Jouer. Plus de choix. Plus de choix. Jouer. Ah, je l'ai vu. Jouer. Voilà. Oh, ça y est, il n'y a plus de bug. Youpi. Par contre, lui, j'ai l'impression qu'il passe sa journée au boulot, quoi. Il n'est pas revenu, qu'il faut déjà y retourner. Du coup, j'imagine quoi. Bah, il faut encore faire à manger. Préparer un tempura aux légumes. Tu vas prendre un abonnement. Alors, tu vas sur prendre un abonnement et tu cliques sur gratuit avec Twitch Prime et hop, tu es sub. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, c'est un passage obligé. Plus c'est rapidement, c'est douloureux. C'est pas faux. Oh bah magnifique, Dina a enfin trouvé comment ça fonctionne. Oui, maintenant qu'elle en a deux, tu sais, elle maîtrise. Elle maîtrise. Bon, et ça fait monter la barre, ouais, pas mal. Non, non, t'es pas en colère. On continue. On y est presque. Je lâcherai pas l'affaire. Hop. Ah, mais il faut le faire encore deux fois, ça devrait être bon. Hop, niveau 7 gastronomique, magnifique. Et c'est fini. Bah, c'était rapide. Dès que ta femme aura fini de jouer, je pense que toi aussi, il faudrait que tu ailles jouer. On y est presque ou pas? On n'y est pas presque. Allez, on va faire crac-crac avec Dina et toi. Écoute, finis-moi ça rapidos là. Allez, 13%, sérieux. Tu peux le faire. 11, 10, 9, 8. Vous, ça va mieux là? Nickel. T'en es où du jardinage du coup? Parce que j'ai un peu lâché l'affaire là. 4, allez, va finir ton jardinage. Non. Déjà, finis ta bouffe. Prépare un pas gastronomique. Fruits et yaourts. C'est gastronomique des fruits et du yaourt? Faut croire. Toi, toilette. Et. Enfin, t'as 33 000 simflous, je vais m'éclater pour la rénovation. Allez, mais réveille-toi. Combien t'en es? 7%, allez. Tu peux le faire. Je suis en love sur le petit. Non mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Espérons que ça dure. Et magnifique. C'est bon, lâche tout. Ton père, il va faire péter On doit avoir un gâteau, je crois. Ah bah non, on n'en a plus. Donc, cuisiner un gâteau. Génial, on peut enfin la faire grandir, la faire pipi pendant qu'il fait le gâteau. Ah, il y a l'autre qui pleure. Allez, on va nourrir le bébé. On va la faire grandir, j'espère qu'elle sera toujours aussi jolie. Ouais, on va pouvoir acheter plein de tapis, Massilia, t'as raison. Bon, allez, je vais retourner au développement de mon bot Discord. Eh ben, bonne soirée, merci d'être passé, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Ciao. T'en es où, le gâteau, là? Pourquoi il fait pas le gâteau? Eh ben, range-le, ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont... Qu'est-ce qu'ils sont, mous du genou, quand même?
Bon, bah reviens par ici, il serait bien que le gâteau se finisse avant que tu te rendormes. Je te jure, parfois ils sont tellement à côté de leur pompe que t'as envie de les secouer. Ah bah là, j'ai envie de te dire, ouais. Pas grand chose pour les... Ouh, elle court presque. Bon, elle va s'endormir avant qu'il ait posé les bougies, hein, ça c'est sûr et certain, mais dès qu'elle se réveille, elle souffle. Hop, mettre des bougies d'anniversaire. Et plus de choix, faire aider à souffler les bougies Agathe. Bon, alors, là, quand ils sont enfants, ça va, si elle a l'âge ado que ça se gâte, ouais, c'est vrai. Ah, allez, attention. Agathe a vieilli, alors il faut faire attention dans le choix de son aspiration parce qu'il va falloir la compléter, l'aspiration. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans créativité? Non, moi je pense qu'on va prendre faculté mentale. Je pense que c'est une très bonne idée. Et merci, Emeline, Emilini. Bah, merci pour le follow en tout cas. Merci beaucoup, c'est super gentil. On n'est plus qu'à 7. Que ça, dis que ça. On n'est plus qu'à 7 des 300. Merci beaucoup à tous. La motrice, c'est super. Mental, c'est la plus facile. Bah, va pour mental alors. Je prie mental. Je prie mental. Créativité, la plus simple. Ah, bah, va falloir décider. Oui, voilà, c'est chiant ça, le truc à poule. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bah, génie, tant qu'à faire. Génie. Puis elle commence déjà avec tout ça de rempli, c'est bien. Vieillesse et sagesse. Qu'est-ce que j'ai fait comme réussite? Faire vieillir un Sims, d'accord. Alors, viens me voir. Il va falloir changer. On va aller faire un tour. Elle est très en colère, d'accord? Aller faire un tour dans le CAS parce que. Parce que c'est pas possible. Par contre, tu n'as pas de. Je n'ai pas de vitre. Je n'ai pas de miroir, pardon. Ma foi, on va leur acheter un miroir parce que quand même. Quand même, quand même. C'est pas possible de pas avoir de miroir. De toute façon, on pourra investir un peu parce que. Non, c'est pas, je voulais pas le mettre là. Parce qu'il faudra une maison qui coûte très cher après. Bon, on le mettra là, je le mettrai avec le Move Object plus tard quand je ferai la rénov. Donc, allez, va changer de tenue. Comme ça, en plus, on va en profiter pour te voir un peu plus. D'un peu plus près. Laisse tes cheveux. Je vais voir. Je vais voir. C'est. Faut que c'est mes Sims, ça va. J'aime bien voir votre ami, mais il faut qu'il me plaise aussi à moi, quoi, parce que si je les trouve vilains, j'aime pas jouer avec. Et il y a peut-être des coiffures plus sympathiques qui lui iront peut-être mieux, je ne sais pas encore. Bon, bah, elle est très mignonne en tout cas. Pour l'instant, ça va. Oh, je pense qu'il y a mieux comme coiffure. Je pense qu'il y a mieux. Non, c'est pas celle-là que je pensais. Ah, celle-là me plaisait bien. Ouais. On dirait un petit gars. Quoique celle-là, lui, elle est pas mal. J'aime bien celle-là. Une de saison. C'est lesquelles déjà de... Bah, celle-là donc. Ouais, ça lui va pas mal, ça aussi. Non mais j'aimais bien celle-là. On va rester sur ma première idée. J'aime bien celle-là. Ah merde, j'ai mis c'est la coupe de nuit. Oh, chier. À chaque fois, je me fais avoir avec ça. Voilà. Et comment t'es habillée? Magnifique. Magnifique. Du vert, du orange, du marron. C'est la fête.
Qu'est-ce qu'on va te mettre? J'aime bien ces hauts-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur? Moi, je gagne bien en bleu comme ça. Nickel. Et un petit pantalon. Bon, je veux bien que tu gardes celui-là, mais alors... On va peut-être changer la couleur, parce que... ouais, non. English, non. French, par ici. Et vu comment tout le monde se fout de mon accent, je pense pas qu'on va y arriver en anglais. Ouais, elle est mignonne. Je sais pas ce qu'on va lui mettre. Non, la jupe, je trouve que ça va pas avec le haut. Bon, ça, c'est un CC, on va peut-être pas mettre de CC. Un petit jean tout simple, peut-être. Ou alors un petit pantacourt genre noir. Pas mal, on va changer les chaussures. Est-ce qu'il y en a des bleus comme le... Bof. Écoutez, ça va faire l'affaire. C'est parti. Je pense que ça va faire l'affaire. Ah mince, j'aurais pu changer son pyjama aussi parce qu'il est... bon, allez, va au lit. De toute façon, elle est crevée. Dormir. Du coup, il est quelle heure? Il est minuit. Bah écoutez, je pense que on va s'arrêter là pour ce soir, puisque voilà, on s'arrête sur l'anniversaire d'Agathe, la naissance de Dinès. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain live sur les Sims pour voir un petit peu, pour voir grandir Inès et puis pour qu'on continue un petit peu les objectifs du challenge. Hein. J'avais dit aujourd'hui qu'on se focalisait sur Agathe, donc je suis plutôt contente. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal, on avance bien. Là, c'est un peu une partie du challenge qui tourne un peu en rond parce qu'il faut monter les compétences, etc. Mais ça va bientôt un peu bouger aussi. Et sinon, je ferai la rénovation dans Corline pour la prochaine fois. Donc, bah, merci à tous d'être venus, d'avoir suivi le live ce soir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Donc là, le programme, c'est un nouvel épisode du Raktouri Challenge demain soir à 21h30, donc à la même heure que ce soir, et peut-être un live demain, mais je sais pas à quelle heure, je vous dirai ça, demain dans la journée, je veux dire.